ivoirienne, ivoirien, chère brave population de la grande et belle commune de Yopougon, chers militants du PDCI RDA de la commune de Yopougon, c'est pour moi un plaisir renouvelé. Chaque fois quand des occasions exceptionnelles, je dois m'adresser à vous. En effet, cette joie trouve sa source dans la communion fraternelle que nous entretenons depuis cette fatidique soirée électorale du 6 mars 2021 où il vous a plu de nous confier la destinée de notre grande commune à l'Assemblée nationale. Je voudrais une fois de plus, et à l'orée de cette nouvelle année qui s'annonce avec beaucoup plus d'émotions à vivre et à partager, oui, je voudrais vous réitérer mes sincères remerciements pour cette confiance que vous avez eue en nos idéaux et surtout en notre capacité à pouvoir être pour vous des porte-voix audibles dans notre hémicycle. Et surtout vous exprimer mes voeux très affectueux pour une année 2023 riche en bonheur. Mes voeux sont pour chacune et chacun d'entre vous, seul ou en famille, au travail, dans les services ou au marché. Ivoirienne, Ivoirien, brave population de la belle commune de Yopougon. Une année s'est éteinte, une autre pointe à l'horizon. Au fond de nous tous, dans nos discussions, dans nos causeries, nous nourrissons tous l'espoir d'une paix durable dans notre pays en proie à des crises sociopolitiques depuis plus de 2 décennies. Cette espérance que nous portons tous est celle d'une Côte d'Ivoire plus fraternelle dans la diversité. Une Côte d'Ivoire où nos populations vivent en harmonie et participent activement à la reconstruction de la nation. Cette espérance est aussi celle d'une Côte d'Ivoire plus forte, où la richesse est partagée par toutes les couches de la population. En cette année nouvelle, je voudrais rêver, oui, rêver d'une Côte d'Ivoire plus réconciliée. Je voudrais rêver d'une Côte d'Ivoire plus unie, où la cohésion est plus forte. Oui, je voudrais rêver. Je voudrais rêver avec tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes d'un dialogue vrai et sincère entre toutes les filles et tous les fils de ce pays pour trouver ensemble des solutions viables au rétablissement définitif de la paix dans notre pays. À cet effet, les actes de décrispation posés par le gouvernement, dont le dernier en date est le retour du ministre Charles Blé Goudé de la Haye, sont à saluer. Cependant, je voudrais inviter le gouvernement à aller au-delà de ses actions individuelles par la mise en œuvre effective des résolutions de la 5e phase du dialogue politique, notamment en ces points relatifs aux questions électorales. La résolution de ces questions est d'autant plus cruciale que la Côte d'Ivoire, dans quelques mois, entre dans un cycle électoral avec les élections municipales et régionales de 2023. Je voudrais à cet effet m'adresser à toute la jeunesse de notre belle et grande commune et à travers elle, tous les jeunes de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui constituent la force vive de notre nation. Une partie de cette jeunesse se trouve malheureusement dans bien des cas en quête non seulement de repères devant l'effondrement de certaines valeurs de nos sociétés, mais surtout en quête d'un premier emploi pour une insertion sociale rêvée. Pour cette jeunesse, je voudrais souhaiter que cette année 2023 soit une année de prise de conscience et surtout d'engagement citoyen, afin de ne pas être un instrument aux mains de politiciens. Ce vœu m'est d'autant plus cher que les élections municipales et régionales s'annoncent palpitantes eu égard aux enjeux dont le principal est l'élection présidentielle de 2025. Je voudrais
Bien entendu, m'adresser avec cette jeunesse avec un cœur sincère, un cœur vrai. Au regard du rôle souvent négatif qu'a toujours joué la jeunesse dans la montée de la violence lors des joutes électorales, je voudrais en cette nouvelle année l'inviter à plus de sagesse. Bien entendu, cette sagesse ne viendra que si elle est soutenue par des actions concrètes à même de retenir l'attention de nos jeunes. C'est pour cela, oui, c'est pour cela que nous nous sommes proposés à résoudre le problème de l'employabilité des jeunes dans la commune de Yopougon. À cet effet, nous avons un chantier de formation de la jeunesse à des métiers avec une mise à disposition de financement pour des projets après leur formation. Ce chantier qui bénéficie du soutien de certains partenaires internationaux s'ouvrira en cette année même, cette année 2023. Et je voudrais inviter toute la jeunesse à y adhérer avec beaucoup de foi et de confiance. Je n'oublie pas les vaillantes femmes de notre belle commune de Yopougon, ces braves femmes de nos marchés, ces braves femmes des autres activités, ces braves femmes des autres secteurs d'activité, nos valeureuses femmes, nos valeureuses mères, nos valeureuses sœurs des villages de la commune, ces mères, ces femmes, ces sœurs, ces enfants, nos filles, qui demeurent le socle de nos familles pour une société plus équilibrée face à tous les défis quotidiens. Oui, mes vœux sont pour vous, mes mamans. Mes vœux pour cette année sont pour vous. Et ces vœux-là, c'est qu'il y ait en cette année 2023 plus d'actions à votre endroit. Et déjà, pour cette année 2023, nous avons initié un plan de financement annuel d'activités génératrices de revenus, dont la première phase entre en ligne de compte dès la fin du premier trimestre 2023. Mais tout cela, chère population de Yopougon, tout cela, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, tout cela, tous ces plans, ces grands plans de développement, tout cela n'est possible que si nous arrivons à préserver la paix dans notre pays. C'est pourquoi, avant de terminer mes propos, je voudrais lancer un appel à l'endroit des acteurs politiques de notre pays en leur demandant de faire un effort pour que l'amour que nous partageons tous pour notre pays domine nos intérêts partisans afin de nous permettre de bâtir ensemble dans la cohésion et dans l'entente une Côte d'Ivoire démocratique. Une Côte d'Ivoire prospère et réconciliée. Oui, c'est-à-dire une Côte d'Ivoire nouvelle aux frontières nouvelles du développement, pour paraphraser notre président, le président Ennéadu Kounambédié. Bonne et heureuse année à notre président, le président Aimé Henri Kounambédié. Longue vie encore, notre bien-aimé président. Bonne et heureuse année à notre maman Henriette Kounambédié. À tous et à tous, que Dieu nous garde encore longtemps en vie, pour pouvoir relever les défis du développement de notre pays. Bonne et heureuse année 2023 à tous et à toutes.